Welcome to SMB News, people. Like, share. I'm on the streak, baby. All right, guys. Welcome back. Happy holidays. Joyeux Noël. Yes, sir. Joyeux Noël. Welcome back to SFB News. Like, share, subscribe, follow, guys. On est back. On est content de vous parler. Je voulais commencer avec quelque chose. Le dernier épisode, Frank, on n'a pas respecté Mise au God. On n'a pas respecté les Argentins. Donc, avant qu'on commence l'épisode, on arrête de parler de World Cup. Juste congrats, Mise au God. Merci d'avoir prédit que Argentine a gagné quand beaucoup de gens ici. Cinderella story. Non. Don't give me that bullshit. Attends, je continue. Bravo à l'Argentine. Bravo au pays d'avoir gagné votre troisième Coupe du Monde. Congrats. Now we can go back to dissing them. We're done with this shit. OK. Avais-tu quelque chose à rajouter? Non. OK, parfait. Moi, je m'excuse pas. Je me suis dit, ça veut pas dire ce qu'on peut pas dire un bravo. Non, j'ai dit bravo. Vous êtes des haters. J'ai dit bravo. On a pas dit bravo. J'ai dit bravo à Messi. Il a mérité, mais le reste de l'équipe de l'Argentine, je veux rien savoir d'eux, mon gars. C'est toute une bande d'arrogants, cocky pricks. Pas grave, c'est à lui de carry la team. Est-ce qu'il l'a fait? Oui. So, quand pour Argentine gagne, il fallait que Messi gagne. L'Argentine n'a pas gagné sans Messi. C'est vrai. So, même eux, ils le savent, mais à la end of the day, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est pas toujours beau, c'est souvent super laid. Pas grave. C'est exactement ça que j'ai dit. J'ai dit Messi a fait ce qu'il avait à faire, puis le reste, à Game of Thrones. Messi's the GOAT. Maintenant. Mais yo, by the way. Bon. Non. Regarde, je suis venu parce que. T'es venu votre régler. La dernière fois, vous étiez. Frank était là avec son two goats. Il n'y a pas de two goats, ok? C'est. Les gars étaient taille. Les gars étaient pas taille. Il y a quelque chose qui allait les différencier. Les gars étaient pas taille. Les gars sont pas taille. Cristiano Ronaldo a beaucoup plus de. Non. Pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a plus parce que les deux ont plus de quelque chose. Si on parle de talent wise, ok. Je peux dire qu'un est plus talentueux que l'autre, comme tu veux. C'est là qu'on parle d'achievement. Ok. Cristiano Ronaldo a donné les deux seuls trophées au Portugal pendant que l'Argentine a 19 autres trophées sans Messi. That's all I'm saying. Ok, whatever. Ça tombe juste que le Portugal n'avait pas d'autres generation players comme ça dans leur pays. Comme Ronaldo. Et c'est pas grave. Comme c'est pas de sa faute que Messi est arrivé ou qu'il y avait déjà eu un Maradona. Là. Ronaldo ici jamais à la Coupe du Monde. Genre. Puis sa team est meilleure que l'Argentine. Debatable. Cette année peut-être. Je vais te le donner. Mais les dernières années, don't talk to me about Portugal. C'est équivalent. Non, même pas proche. Cette année, c'est équivalent. L'Argentine avait des super boostés joueurs. Même pas proche. Portugal n'allait même pas à la Coupe du Monde si c'était pas pour Ronaldo. Ouais, parce qu'ils jouent en Europe. La seule chose qui est la seule différence, c'est l'Argentine joue dans l'Amérique du Sud. So, c'est sûr, ils passent. Tandis que eux jouent en Europe, dès qu'ils ont du struggle, ils allaient pas. Depuis que Ronaldo a commencé jusqu'à cette année, l'équipe du Portugal était vraiment inférieure à celle de l'Argentine. Okay, you can tell me otherwise. Je vais pas dire vraiment inférieur. La seule chose que j'ai à dire, c'est que, at the end of the day, il y en a un qui s'est rendu au final twice, il a perdu une fois, là il a gagné. J'y donne. Ça, c'est le Michael Jordan rule, ok? C'est le Michael Jordan rule! Qui différencie le. Non, Michael Jordan, il y en a 6. Le GOAT maintenant. La seule chose qu'il peut dire sur LeBron, c'est j'ai 6 rings, puis jamais perdu. En finale. C'est juste ça qu'il veut dire. C'est vrai parce que techniquement, LeBron le bat dans tous les autres. LeBron a scoring title. Ouais. Assist title. Ouais. Il bat dans tout, c'est vrai. Les gens, tout le monde était comme, aucun des deux a gagné le final, le World Cup. Messi a tout achieved, à part peut-être Olympic medal. Il l'a eu aussi. Oh. Il l'a eu? Quand il avait 20 ans avec Di Maria. C'est deux GOATs. À part si Ronaldo revient à 40-40 pour. Moi, je pense qu'il va pas, à cause que Messi a gagné, il va rester, mon gars. Il va rester. S'il apprend à jouer off the bench, comme j'ai dit last week, I believe il va. Ah, World Cup off the bench, ça compte pas. Ben oui, ça compte, mon cher. Ben oui, t'as besoin de faire deux, trois buts, ça compte. Si tu rampes, il fait un but. Tu dois carry la team. Non. Mais si, en marquant le but, c'est carry la team. Tu carry pas la team off the bench. Wow, c'est un gros statement que tu me dis là. All good, we'll take it. Okay, all right, yo. Regarde, je veux pas retourner au World Cup, c'est terminé. Mais c'est un gros statement ce que t'as dit là. Tu carries pas la team quand tu es off the bench. On va clip ce moment-là. I'm gonna ask the people in the streets. We're gonna ask you parce que ça, c'est fou, ça. Six men of the year, ça sera jamais ton MVP.
Je comprends, mais il y a des six-men. Il y a des six-men qui ont sauvé. Ça veut plus de ça. Sauvé des games. Et au soccer, ça veut dire que t'as comme 15 minutes pour faire que je. Pourquoi tu joues pas? Une demi-heure. Une demi-heure. Puis c'est moins une demi-heure qui change la game. Ronaldo l'a fait un menu. Il l'a fait plusieurs fois à menu. Il l'a fait partout. Anyway, c'est voilà. Pas ça le débat. Si t'es vraiment bon pour le faire, pourquoi tu joues pas tout le lag? Parce qu'il y a l'âge qui rentre en considération. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Il est 3 ans plus vieux que Messi. Ah, faut pas oublier. Comme il est vieux là. Tu dois carry a team. Tu dois carry une team puis je suis off the bench. Ça fait pas de sens. Ou sans que. Ok. It's debatable. But ok. Alright, guys. Welcome est terminé. NFL, NBA. On va commencer avec NFL. Il y a eu un shocker this weekend. Burgang, Eagles, ont eu une vieille défaite. Mais c'est une défaite qui était calculée. Parce que notre leader, Jalen Hurts, était blessé. Blessé, ouais. Était blessé. Gardner Minshew. Et son backup. Exact. Pour moi, cette game-là, c'était un win, by the way. Pour Eagles? Pour les Cowboys, bro. Non, pour les Eagles. Pourquoi? Ok. Pourquoi Eagles, toi, tu dis, puis pourquoi Cowboys? On va commencer avec mise au God. Mais Jalen Hurts est blessé. Mm-hmm. Les Eagles parlaient caca parce qu'ils disaient que c'est Jalen Hurts. Si, parce que Micah Parsons a dit que je pense pas que Jalen Hurts devrait vraiment être MVP. Qui a dit ça? Micah Parsons a dit ça avant la semaine passée. Ah, il fucked up, bien là. Il dit, les gars étaient hype pour jouer contre les Eagles. Eagles, ouais. Et là, tu me dis, tu vas jouer contre les Eagles, puis leur QB est pas là, puis les Eagles se sont battus eux-mêmes. Et comme oui. Ils gagnaient la game. Oui. Minshew lance la balle à Quez Watkins. Dans les mains à Quez Watkins, Watkins laisse le gars strip la balle dans ses mains. Exact. La drive d'après, le run impact, tu donnes le ballon à Sanders, il fait un fumble. Comme les deux fois de suite, les gars ont eu le ballon dans la zone des Eagles. Les Cowboys. Dans la zone des Eagles, à la ligne de 20, puis les Eagles, ils still stop avec des field goals, genre. Comme Minshew a fait comme 24 points, 30 points. Il a fait plus que qu'est-ce qu'un backup devrait faire. C'est ça, comme, ça c'est un loss. Pour moi, même si les Eagles ont perdu, ça c'est un loss pour les fucking Cowboys. Là. Vous n'étiez pas bon. Comme les Eagles, vous auriez dû se mac les Eagles la façon de parler comme si c'était vous. Exactement. Puis ça fait deux, les deux défaits des Eagles, juste répéter, c'est deux fois les Eagles se tirent dans le pied. C'est pas l'autre équipe qui les batte. Ouais, mais là, qu'est-ce qui fait mal, c'est que là, vous avez plein de blessés. Là. Des blessés importants. Ouais. Oui. Là, on a perdu notre left tackle, Lane Johnson. Votre D-line. Notre D-line. Votre corner. Oui. Quel corner? J'ai pas sorti l'autre. Slay? Oh shit. Ouais. So, là, on a perdu beaucoup, beaucoup de joueurs clés. Offensivement, défensivement. Ça fait que, à cause de ça, est-ce qu'ils vont continuer d'aller en playoff? Est-ce qu'ils vont se rendre en finale de playoff? Est-ce que ils peuvent compete? Sans un full strength ego. Ils vont avoir le bail. Le bail va peut-être les aider à récupérer un petit joueur-là. Mais moi, je t'ai dit, Eagles, c'est des fraudes. Donc, est-ce que tu dis, c'est-à-dire que Cowboys peuvent compete? Le NFC, c'est des fraudes. OK, la question, est-ce qu'ils vont se rendre en finale? Puis en finale de conférence ou en finale de Super Bowl? De conférence. En finale de conférence, je les vois arriver en finale de conférence. Ils choke, là. Est-ce que tu penses que les Cowboys vont battre les Eagles? En finale de conférence. Je pense pas que les Cowboys se rendent en finale de conférence. C'est pour ça qu'ils peuvent compete contre eux autres. Ils peuvent compete jusqu'à là. Ben, t'as vu que les Cowboys sont capables de compete contre les Eagles? Unhealthy. Mm-hmm. Healthy, I don't think. Comme Nicky a dit, les Cowboys, ils auraient pu les tuer, puis ils l'ont pas fait. Ouais. Mais je pense que Dak Prescott a genre, je pense 5 games ou 6 games de suite où il lance des picks, là. Ah, oh, ben oui, mais oui. Mais Dak, c'est une fraude aussi. Mais Dak, c'est une fraude. Dak, tous les Cowboys, c'est ça leur leur réputation. Ils ont 2-3 belles games, puis là, ils pensent en hors-date. Après, ça, ils choke. Après, ils choke. C'est tout le monde est comme ça. Moi, si les Niners sont capables de stick something together, puis faire un run, moi, je vois les Niners puis les Eagles en finale de conférence. OK. Pour les NFC. Ouais, c'est la logique. Ce serait la une team surprise, comme, je sais pas, les Packers. Les Vikings. Les Vikings qui viennent. Les comeback. Except pas les Packers. Encore. Mais les Packers sont out of the race. Non, ils ont pas arrêté de gagner, là. On est in the race. On a battu les Dolphins, justement. La sweep, c'était quand même possible. C'est vrai. In the hunt. So, en parlant des Dolphins, let's go with that. Bon, les Dolphins ont perdu 4 de leurs dernières games. Est-ce que c'est parce que la NFL a comme compris leur stratégie, offensive et défensivement, ou c'est parce qu'ils rancent? Toi, est re-rentré dans le concussion protocol. Wow, oui, je suis d'accord avec ça. Tu le voyais, bro, tu merci. Je te dis pas que tu le voyais pas, mais comme après les deux commotions qu'il y a eu, le fait qu'il est revenu quoi, la semaine d'après ou deux semaines après? Deux semaines après. Deux semaines après, il lançait des mangos. Bro, comme
il y a des relapses de sa commotion maintenant. Ouais. Ouais. Des fois, tu fais hit dans une game, même si c'est pas un gros hit, ton cerveau, il shake un peu. Mm-hmm. Puis là, t'as des mal de tête. Tu sais pas qu'est-ce que tu fais. T'es étourdi. Ça l'arrive. Le gars aurait jamais dû rejouer deux semaines après. Puis là, t'es en train de voir les effets. Puis c'est plate pour lui parce que c'est un très bon joueur. Ouais. Puis les Dolphins, puis les coachs sont tellement win hungry, puis win now, qu'ils l'ont, ils l'ont fait comeback too quick. Puis ça se peut que ça leur coûte leur franchise QB. Bon, moi, je pense pas que c'est la commotion qui fait qu'il jouait pas bien. Là. Comme il jouait quand même bien, c'est juste qu'il gagnait pas. Il y a eu des bonnes games. Ouais, il y a eu des bonnes games, mais... Mais cette game-là, il était... Non, cette game-là... Il y a eu un relapse. Non, clairement, parce qu'on savait tous que dès qu'il va toucher le sol assez dur, il allait avoir quelque chose. Exact. Dès qu'on, tu, c'est comme... T'as un QB qu'on peut pas toucher, genre. Si on le touche, comme you're out of the game. Yeah. C'est comme, il y aura du ça, là. Mais moi, je pense que les autres équipes ont juste figure out... ils ont figuré comment cover Tyreek Hill puis Waddle. Maintenant, il y a un des deux qui va avoir une bonne game. C'est pas les deux qui vont avoir 150 verges en train de nous courir partout sur le terrain. So, je pense vraiment que les autres teams ont compris comment jouer avec les Dolphins. Puis si tu regardes, à part que les autres jouent contre les Bills, ils ont pas fait plus que 20 points dans les comme 4 dernières games. Ok, je comprends ça. Moi, je vais plus du côté à Spenty parce que moi, je pense que toi, même si que il a joué des bonnes games, il est pas capable de comme finir ces games-là. Et puis, cette game-là contre les Packers, c'était la preuve de comment he's not ready. He's not back. He's not healthy. Et je pense qu'il devrait prendre un break. Non, puis, mais c'est grave parce que après que tout le backlash qu'il y a eu. Ouais. Comme tu vas pas à me dire qu'il y a un autre docteur qui l'a fait jouer puis il était pas ready, là. Comme c'est impossible. Je comprends ce que tu veux dire, mais. Ils sont allés investiguer dedans, là. Comme. Mais le gars lançait c'est, pour moi, cette game-là, c'est la preuve de comme qu'est-ce que tu fais. Non, mais cette game-là, il a mal joué. Il a mal joué. Il a pris le coup, puis il a continué. Quand il est tombé, il a arrêté là. Il a continué à jouer la game. Là, OK, il y avait une commotion. Encore. Mais je veux dire, que si tu me parles des 4 autres games avant celle-là, je ne veux pas dire que c'est à cause de la commotion. Non. OK, premièrement, tu peux vraiment fake un concussion test. Okay, regarde. C'est pas quelque chose que tu peux pas fake. Non, je sais, mais c'est pas ça que je dis. Je dis qu'après tout ce qui est arrivé, puis tout le monde, le backlash, le docteur de la team, là, il est pas sur le laisser passer comme juste pour le. Non, je suis d'accord. Mais tu le sais, ta première commotion, ta deuxième commotion, déjà tu le sais que la deuxième commotion était très grave. Mm-hmm. Le fait qu'il come back 2 weeks after that, puis qu'il a joué contact pour les 4 dernières games, il manque un hit. Même si je te touche avec une plume, suffit que je te touche de la mauvaise manière avec une plume, je te recheck une autre commotion. Puis c'est ça qui arrive avec plein de joueurs d'hockey, puis plein de joueurs de la NFL. T'as plus de commotions, plus c'est facile d'avoir des commotions. Puis c'est plate. J'ai vu le hit qui a peut-être donné une commotion à toi. C'était pas un gros hit. Il est juste mal tombé à terre. Mais c'est tout ce que ça prend. Et voilà. Puis moi, je pense que si moi, je vais être la logique de... Je comprends que t'es pas d'accord avec ça, mais moi, je vais être la logique de... Si c'est tout ce que ça te prend, c'est ça, t'es pas 100%. T'es à 80%. I'm sorry. T'es à 100%. T'es juste t'es high risk d'être blessé encore. Yo, guys, comme à la vérité, c'est que même si dans une saison de football, j'ai déjà été blessé, même si tu come back, t'es jamais vraiment à 100%. Parce que t'as pas pris une période de break assez suffisante pour être à 100%. Je comprends que tu peux être à 80% puis still play well. Parce que t'es un MVP, t'es un bon joueur. Mais la vérité est que le gars, depuis cette commotion, la première commotion, il a jamais été à 100%. Il est revenu à 80%. Well enough to play better than his backup. Et puis, regarde ce que ça fait. Ça fait un gars qui peut pas terminer puis qui fait des erreurs. Ben, c'est pas ça que ça fait. Parce qu'à this point, même l'année prochaine, il y a dans 2 ans, si tu le tacoules encore, ça risque d'arriver encore. Exact. Comme, d'avoir risqué de plus en plus. C'est là, il s'est dead, là. Comme, c'est plus une affaire de, comme, est-ce qu'il pouvait pas jouer, c'est, est-ce que quand on va te hit, comme, tu vas rester on the floor. Le gars, il prend comme 4 sacs par game. Mais il a pris des sacs dans les autres matchs, là, puis. Ah, je suis d'accord avec toi, mais t'as raison. Il y a eu, genre, comme, c'est juste, là, dans cette game-là, il y a eu le hit, il est tombé, il a frappé sa tête, il y avait une commotion. Il a continué à jouer la game. Mm-hmm. Mais moi, ce que je veux dire, en temps général. Comme lui, c'est beaucoup de 3 commotions en 10 semaines. Il jouait pas mal, genre. Comme il jouait pas boosté comme au début, avant. Mm-hmm. Il jouait pas mal. Puis les Dolphins, ils ont descendu dans ce 4 jours parce que, dans le standing. Mm-hmm. Je pense que c'est parce que toi, je jouais pas le level qui. Mais je pense que la ligue les a figure out après
Et comme cette semaine, c'est comme, OK, on sait qu'est-ce que vous voulez faire. Et on va plus vous... Pas comme ça. Prochaine question pour les Dolphins. Next two games, c'est de grosses games de division. Mm-hmm. Est-ce qu'ils... Ayo, c'est dead, bro. Oh, wow. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont pouvoir se rendre au playoff ou pas? Et ils jouent contre les Eagles puis les... Non. Les Pats. Les Pats puis les Jets. Les Pats puis les Jets. Ayo, c'est... Ben, les Jets, si on va se le dire avec Zach Wilson. Et Mike White, les Jim. Et Mike White? Ouais. Dans deux semaines? OK. Yeah. Bon, ça pourrait être Zach Wilson dans deux semaines. Il change à chaque semaine, mais... même Joe Flacco. Mais like, je pense pas qu'il gagne. S'ils ont pas toi en plus... Toi, tu penses qu'ils vont beat les Pats puis ils vont beat les Jets? Non, je pense que les deux les bat. Yeah. Moi, je pense pas... Au moins, les deux les bat. Ouais, mais je pense pas que les Jets, présentement, ça va vraiment pas bien. Donc, non. Il perd contre Pats, il gagne contre Jets. Ça va leur donner une fiche de 9-8. Puis les Patriots, c'est une bonne question s'ils font les playoffs. C'est une très bonne question. Moi, je dis non. Là, sinon, Spenty, tu dis quoi, toi? Moi, c'est une très bonne question. Les Patriots font les playoffs? Non, sinon, si les Dolphins font les playoffs. Parce que là, avec ce qu'on vient de dire, ben, si je viens de dire, les deux vont techniquement peut-être 9-8. Je regarde ça. Puis tout dépendant des résultats de ces games-là, mm-hmm. les trois teams pourraient pas faire les playoffs, puis les Titans feraient les playoffs. Je vois pas les Titans faire les playoffs, parce qu'ils sont trash. Non, mm-hmm. c'est impossible. Impossible. Je pense qu'il y en a deux dans cette division-là qui font les playoffs. Les ouais. Titans sont à 7-8, les Jets sont à 7-8, les Pats sont à 7-8, puis les Dolphins sont à 8-7. Ils font pas les... Titans font pas les playoffs. Ils jouent contre Cowboys, ils vont se faire soigner par les Cowboys. Après, ils jouent contre les Jaguars, puis les Jaguars sont on the way up. Non. So, il reste les Pats puis les Jets. Yes. Et comme je te dis, je pense pas que les Jets vont se rendre nulle part parce que Jets n'a plus de QB, n'a plus running back. Mike White, back. Mike White est back, là. C'est sérieux. Ils ont déjà dit que Les Pats jouent les Dolphins, ils devraient battre, comme vous disiez, puis les Bills. Les Pats vont perdre contre les Bills. À part si les Bills ont rendu à bench tous leurs joueurs. Puis les Jets jouent les Seahawks. Bah ouais, yo gang, c'est un top decision. Les Dolphins. C'est un top decision. Ok, là tu dis qu'ils ne font pas les playoffs. Ça se peut qu'ils font les playoffs parce qu'ils ont déjà un win en avance sur les autres. Exactement. Ils ont juste besoin de un, I guess. Mais si tu me dis, tu vois, moi, les deux prochaines games, la façon que je voyais jouer, deux bonnes defenses qui sait stop, qui sait scheme pour stop certaines personnes. C'est pas comme s'ils vont jouer contre des vieux defensive teams. Là, ils vont jouer contre des bonne defensive team avec un backup quarterback qui peut pas jouer. Je pense même pas, je sais pas si c'est Teddy Bridgewater ou si c'est l'autre. Non, pour moi, comme il y a peu de trous dans le bateau, puis il est en train de sink, là, comme. Non, moi, je pense qu'il prend les playoffs. Dolphins font les playoffs. Dolphins font les playoffs? Moi, je pense que les Jets font les playoffs. Si Mike White come back, comme Nicky a dit, moi, je vois les Jets faire les playoffs. Wow, ce serait un fou upset. Ça aurait comment? Battre les Seahawks. Et après, ils battent les Dolphins. Ah, all right, man. Il finirait 9-8. Les Jets. Les Jets. Les Jets. New York Jets. Ouais, ils ont déjà une bonne fiche, là, comme. Moi, comparé à ce qu'on pensait à la première saison de SFB News. All right, guys. Next big news. Tu sais quoi, on va commencer avec les Jets ou Jaguars. Right? So, Jets versus Jaguars. Quelle des deux équipes? Parce que c'est deux équipes que last year was extremely trash. Là, maintenant, cette année, ils sont vraiment on the come up. Ils ont des bonnes fiches, des fiches pour se rendre au playoff depuis des années. Quelle des deux équipes présentement ont la meilleure situation? Et je vais tout commencer avec ça, les Jaguars. C'est même pas debatable. Thank you. Parce que, vraiment, les Jaguars ont battu les Jets 19-3. Jets a perdu leur quatre dernières games. Ils ont perdu leur gros arsenal qui était leur running back. Right? Qui était Breece Hall. So, therefore, Jaguars sont en meilleure position. Trevor Lawrence est encore en santé. Mm. Il s'améliore à chaque game, il s'améliore. Les stratégies offensives des coachs sont bonnes. La défensive est présente. Je sais que la défense des Jets est meilleure que la défensive des Jaguars. Bah, c'est pas assez, vu que t'as pas d'offense qui roule du côté, des Jets. Moi, je vais aller avec les Jets. Ils ont une bonne défense, ils ont des pistes. Buisson n'est pas là, mais il va revenir l'année prochaine. Je veux dire, pour le futur, là. Ah, oh, OK, pour le futur, OK. Pas pour maintenant. Non, pas pour maintenant, futur. Okay. Garrett Wilson, comme receiver. Comme ils ont des pistes. La seule chose qui manque, c'est fucking QB. Zach Wilson est trash.
Mike White est blessé. Donc, pour ça, tu dis, il va battre. Imagine, tu drafts comme le bon QB. Ou tu vas chercher le QB en free agent. Tout d'un coup, tu as un team. Là. Lamar Jackson. Tout d'un coup, tu as un team. Là. Ouais. So, mais je regarde Jaguar. Eux, ils ont Trevor Lawrence. That's it. Leur défense est bien trash. Ouais. Ils ont peut-être Etienne comme. Etienne est nice. Ils get by, mais genre, c'est pas. Puis ils ont une vieille division de marre, là. Comme, tu sais, j'avais pris Jaguar pour upset dans la division, puis comme gagner des wins, finir devant Titan. Bon, je pensais pas qu'ils allaient être premiers. Je pensais qu'ils allaient se battre pour la deuxième place. Mais yo, ils sont still trash, là. Comme, ils toujours contre les Texans, Titan contre. Comme ça, c'est la moitié de ton schedule. Ouais. Je suis pas dire que t'es bon, là. Ça juste tombé que toute ta division est trash. Et pourri. Moi, les Jets, je sais qu'ils ont joué contre les. Les Buffalo Bills, Dolphins, c'est vrai. Patriots, c'est toujours Bills contest. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que la meilleure team entre les deux. C'est ça pourquoi ils ont perdu la week. C'était Zach Wilson. Comme la week. Ouais, quand Zach a joué. Oui, il a joué. C'est lui. C'est vrai, c'est vrai qu'il a joué. C'est vrai. C'est vrai. Vu la stat que tous les QB. C'est vrai. Autres QB, ils ont joué pour les Jets, ils ont des games de 400 verges par la passe, sauf Zach Wilson. Parce que Zach Wilson est extrêmement trash. Trash. Ouais. Benty? Comme Nicky a dit, les Jets sont en vraiment meilleure position que les Jaguars. Oui, les gars. Pas pour cette année, en général. Oui, comme dit, pour le futur. Mais même Jaguars, je m'excuse de t'interrompre, je m'excuse. Mais tout ce qui nous manque aux Jaguars, c'est des pistes défensives. Un bon DN, un bon corner, un backer normal, et t'es set. Toute ta defense. Non. J'ai dit un DN qui se fallait prendre dans le first round pick. Yeah. Un backup, t'as tout le temps pour le prendre. T'as quand même pas de receveur. Trevor Lawrence made it work with what he had right now. Premièrement, il n'y a même pas encore un wide en haut de 1000 verges avec les Jags. C'est pas grave, il gagne les games quand même. Oui, parce que Travis Etienne, puis lui, il court comme des malades. Puis il gagne des low scoring games. C'est pas comme s'ils ont 10 wins. Là. Ils ont 7 dans une vieille division. Je sais. Faut continuer, je m'excuse. Je te dis pas qu'il est mauvais, mais les Jets sont vraiment mieux placés présentement que les Jags. C'est doux. Ouais, man. Mais ça peut changer quick parce que si les Jaguars pick up des bons pieces. Des bons pieces. Eux, au moins, ils ont déjà leur QB. Ouais, mais les Jets, il manque un QB. Mettons, c'est pas Mike White. Position la plus tough à trouver. Parce que même un QB qui est boosté, c'est rare que t'as des Patrick Mahomes. Exactement. C'est pas tout le monde qui arrive comme ça, puis des first season, il emmène l'équipe au playoff, là. Tu sais, c'est rare. On est loin du draft encore. Ouais. Mais pour l'instant, moi, je trouve que les Jets sont mieux placés. OK. Two big news. Première news, Denver Broncos a fire leur head coach, Hackett, à cause de leur vieille fiche. Qui sont 4 ans. 4-10, je pense. Oui, parce qu'il est trash. 4-11. Ils ont dit de faire après la première game. De yo, G. Après les premières. Ils ont commencé quoi 0-3 ? Mais t'as donné $250,000 à ton QB. T'as vu que l'offense marchait pas, puis t'as gardé ce coach-là pendant 15 games. C'est le manager. C'est pas le coach, ça. Ouais, mais. À la fin de journée, Denver aurait dû fire Hackett depuis le début de la saison, comme t'as dit. Et puis, ça a pris un 15 games. Pas 15 games, une soufflette. Par les Rams. Avec Baker Mayfield comme QB. Tout le monde qui se respecte aurait dit, je renvoie ce coach-là immédiatement. Mm. Comment tu te fous de 51 points quand c'est Baker Mayfield qui est sur l'autre côté? La défense a put up des points, par exemple, pour les Rams. No disrespect. Ils ont quoi, 2 pick 6? Ouais, il y a assez 3 picks Russell Wilson dans cette game. Ouais. C'est pas mieux parce que ton $250,000 quarterback a lancé des pick six. Exactement. So, yo, moi, les Broncos, c'est un gros X. Underdog team, à Frank. Yo. blow up this team. He believed. Puis on recommence l'année prochaine, mon gars. Ah, yo, mon gars, je suis désolé. As-tu quelque chose à rajouter sur les Denver? Non. L'autre big news que je voulais dire, JJ Watt va prendre sa retraite à la fin de cette saison. Qui a été le 3-time defensive player of the year. One of the best D-lines ever. Yes. Là, il y a son frère qui est en train de déranger. I guess it's in the family. Donc, bon retirement à la fin de la saison. JJ. Yeah, JJ Watt. Next, Justin Jefferson. Présentement, là, there's no more debate with that too. Il est le meilleur receiver de la ligue. Oui ou non?
Je ne vais pas encore dire le meilleur. Yo, il y a le Moose Yard. Il a dépassé Randy Moss. Pour les Vikings. Il a dépassé le Moose Yard pour les Vikings. C'est lui qui a comme... Il a fait tellement de catchs spectaculaires cette saison. Il a été extrêmement clutch. Est-ce que c'est le meilleur ride cette saison? Oui. Ouais, cette saison. Cette saison. Tyreek Hill est plus dans vraiment dans Exact. Il est pas si loin que ça, by the way, Tyreek Hill. Non, mais je veux dire, mais combien? Don't get it twisted. Combien? Il est à 150 verges. Il était à une bonne game derrière Justin Jefferson. Ok. Mais moi, j'aime les wide receivers que je sais qu'ils ont fini avec un touchdown à the end. Là, comme, pas juste faire des verges. Genre, comme, je produis de l'end zone, lance-moi la balle, je fais le catch touchdown. Donc, tu préfères Diggs ou Chase? Non, j'aime Justin Jefferson, c'est ma gueule, mais je veux dire, pour dire que comme t'es le bête, que toi, la saison que Devonta Adams, tu l'as 15 touchdowns, comme au niveau de Devonta, tu dis, tu me lances la balle, je le catch. Ça, comme ça, pour moi, là, c'est genre, c'est le best wide receiver parce que genre, il y a juste 4 verges, tu sais que ça va à moi, puis tu peux still pas m'arrêter. Et quand t'es rendu à faire ça, là, je veux dire, ok, t'es le best wide receiver, genre, une dégâts. Là, il y a une, comme la meilleure saison, je peux pas dire, comme l'année prochaine, quelqu'un d'autre peut avoir, mais, comme Cooper Kupp. Quand il y avait plus de TD que lui l'année passée, on était trop dérangé. C'est le meilleur receveur cette saison, mais c'est pas encore le meilleur receveur in the game. C'est quoi que t'aimes plus comme stat line, ok? 1750 verges, 8 TD. Wow, ok. 1325 verges, 12 TD. Ou 1290 verges, 12 TD. Bah, c'est le même stat line. Premier ou deuxième? Moi, je peux voir les TD, il y a pas de motif. Ouais. Pas les TD, parce que je peux driver le terrain en running game, puis rendu au red zone. J'ai un gars qui. Le deuxième, c'est Devante Adams et Stephon Diggs. Bah, Devante Adams, c'est toujours mon first, moi. Ouais, mais c'est comme go to go, j'arrive devant le end zone. Tu sais que ça va là à moi, you can't stop it. C'est vrai, you can't stop it. Exactement ça. C'est vrai. That guy. C'est vrai. Goal line fade, puis je te masse. La seule chose, c'est Devante Adams est avec fucking Derek Carr qui fait des conneries, sinon il y aura plus de verges. Trash ass QB. Trash ass QB. Puis c'est maintenant, il faut pas oublier, hein, ça l'a pris combien de games à Carr avant de comprendre que troisième élan lance à Adams. Ça a pris combien de temps? Ça a pris trop de temps. Sinon, ça aurait déjà rendu plus que ça. Mais Justin Jefferson, je pense il pourrait se rendre à faire ça, mais aussi que Cousin, ce gars qui spread la balle, puis il y a quand même beaucoup d'options dans les... il y a beaucoup d'options. Ça va un peu contre lui. All right, prédiction. Attends, maintenant, tu avais dit Justin Jefferson, best wide, non ou non? Moi, j'ai dit oui, pour cette année, je vais donner... Cette année, oui. Cette année, oui, OK. Surtout s'il peut encore faire le demi-verge, battre Calvin Johnson. Il reste deux games. Il devrait l'avoir. S'il force. S'il force. Parce que Kirk Cousins a beaucoup d'options, comme il a dit, s'il force. Je veux dire, tu vas battre le record avec une game de plus de jouer, puis ils vont te le forcer. Comme c'est 100% sûr, ils vont te le forcer. On va dire, il joue pas la dernière game. Bon, on va voir. Moi, je pense pas. S'il peut battre le record, je pense qu'il va jouer. Moi, il va jouer. Puis après, une fois qu'il a battu le record, ils vont le bench. Ouais, c'est vraiment, c'est exactement ça. Mais il faut qu'il y ait une bonne game, next game. S'il fait juste 70 verges next game, ils vont pas forcer. Là, après ça, il va avoir l'audace de dire que c'est lui le meilleur receveur. Elle joue contre Packers. Les Packers sont on a roll. Ça va être tough. Mm. Alright, prédiction. Commençons avec ça. Packers versus Vikings. Packers, Vikings. Cheesehead, baby. Packers. Ouais, Packers sont les playoffs. Ils sont. Je dis pas qu'ils sont boostés, mais. Quand je les ai mis dans la prédiction last week, c'est juste pour ça. Dans ma tête, je les voyais déjà comme. Pas être pour se rendre aux playoffs. Les NFC n'est pas boosté. Les Vikings, ils sont been defrauded comme. Je les avais pour gagner la division, je les avais pour avoir une bonne saison, mais gagner aucun match impressionnant qu'ils ont gagné là. Je pense que les Vikings peuvent les battre, et ils vont se rappeler comment ils ont fait. Ils ont pris un beatdown au début de la saison. Ils ont pris un beatdown, il a dit. Tu te rappelles pas quand les gars se font pancake? Oui, je me rappelle. Je pense que les Packers vont se rappeler et ils vont jouer une bonne game. So, je vais aller avec les Packers battre les Vikings next week, cette semaine. Moi, je vais aller avec Vikings. Je vais aller avec le upset de vous deux. Moi, je pense que Justin Jefferson va jouer une de ses meilleures games pour battre le record. Il va tout donner. Et puis, that's it. Pas le record, il a besoin de 300 verges. Il va avoir. C'est 2000 quelques verges. Il va avoir 200 verges chez le game-là. Non, 1700. À 1758, genre. 150 verges. Ouais, il va faire 200 verges chez le game-là. Il faut faire genre 200 verges. 200 verges. Il va faire 200 verges chez le game-là. Packers, on a roll. Les Vikings,
je trust pas encore, bro. Ils gagnent tout le temps les games bizarrement. Yo, ils ont failli perdre contre les Giants. Ils ont failli perdre toute leur game. Point final. Comme ils ont gagné des games qu'ils devaient pas gagner. Puis à un moment donné, il faut que ça finisse. Comme, c'est vraiment un Cinderella story. Parce que tu peux pas gagner autant de games et avoir un point differential aussi bas que ça. Ouais. Puis être ça division leader. Ça se saison, mais ça te hit back en playoff. Oui. En playoff, je les vois. Si jamais en playoff, ils jouaient contre les n'importe qui, je les vois prendre une full frappe. Ils joueraient contre les Commanders. Je les verrais pas prendre une frappe contre les Commanders. Non. Mais you never know avec les Vikings. C'est vrai. Ils pourraient perdre par 34 au first half. Ils ont joué contre les Commanders cette saison, puis les Commanders ont checké un contest. So. Exact. Next game, Cowboys vs Titans. Thursday Night Football. Cowboys. Ouais, Cowboys all the way. Mais le reste, c'est... Il y a une distance, juste fait genre 7 games de suite qu'ils perdent. Même si que Titan doit gagner ces games-là pour... Ça change rien. Ils peuvent perdre ou gagner. À la fin, ça va être qui gagne entre leur game entre eux et Jaguar. Je comprends. Même Jaguar, ils peuvent gagner ou perdre, ça change rien. OK. Panthers versus Buccaneers. Panthers, Box? C'est quoi la raison? C'est pour le premier dans leur division. Oh, shit! Ouais, parce que... À quel point la division est trash? Les Saints. Les Saints aussi peuvent être premiers de la division, Nicky. Ouais. Si Panthers est capable de battre Box, tout le monde est live. Si Saints se rend en division... Si Panthers... Les Saints ont gagné leurs deux dernières games. Yo, si les Saints se rend premier, mon gars... J'ai un vague pour eux, Bouddha. J'ai un vague sur les Saints. Faut que tu pop une bottle. Ça va chouette. Tom Brady joue du vraiment pas bon football. Comme c'est la saison. C'est vraiment plate à regarder les Box jouer. Je vais dire les rumeurs à ce qui paraît pour nos viewers. À ce qui paraît, il y avait l'affaire du divorce, mais il y a aussi l'affaire qu'il a perdu beaucoup d'investissement dans l'affaire de FTX, le blockchain. Ça, c'est arrivé après, ça. Ah, c'est tout arrivé pendant la saison. Moi, on pensait que les gens disent qu'il était déjà au courant de comme si les magouilles, puis ça l'a déstabilisé avec le divorce. C'est pour ça que. Excuse-moi. Tom Brady lançait tout le temps des vieilles. Des vieilles games, mais genre. Cette saison, oui. L'année passée, il a bien joué. Même si short route, il est pas capable de les lancer, bro. Il lance des swings à son running back, puis. Ouais, je sais. Il fuck up. Il est même pas capable. Ouais. Ça fait aucun sens que Tom Brady rate des passes comme ça, là. Je veux dire Panthers, mais. C'est still Tom Brady? Non, c'est pas parce que Tom Brady. Ben oui, c'est Tom Brady. Puis c'est les Panthers. C'est même parce que Tom Brady va. Mais à cause de Tom Brady, ils vont lui donner le win, genre. Comme ils vont lui dire, ok, vas-y. La corruption. Ils vont comme, vas-y en playoff. On va te laisser. Tu penses? Comment ils ont gagné contre les fucking Cardinals, genre? Ils perdaient, ils sont revenus dans la game à la fin, ils sont allés au type. Les teams vont juste lay down et dire, ok, vas-y. On te laisse aller dedans. On t'a une vieille saison. Définitivement, tu vas retirer après celle-là. Ouais, okay, clairement. On va laisser aller, genre. Ok. Comme, Je pense les Panthers pour dire, OK, on va push down Tom Brady puis prendre le spot. Moi, je pense que si j'étais head coach, my job is on the line. Je beat down Tom Brady puis je m'en vais au playoff. Tu penses que les Panthers veulent vraiment comme faire les playoffs puis avoir un mauvais pick, genre? Ouais, j'avoue. Ils vont faire les playoffs parce qu'ils sont dans une vieille division. C'est la seule raison pour Je veux dire, quand tu fais les playoffs... Ouais, t'es dans le top 15. Ouais, pour les picks. So, je pense... C'est les Saints, eux, ils ont déjà donné leur pick aux Eagles. So eux, ils auraient une motivation à le battre. Mais les Panthers, ils veulent pas vraiment être top dans le pick, dans le draft. Ils ont battu une bonne équipe des Lions la semaine passée. Parce que les Lions ont lag. Les Lions pensaient que c'était une rivière. C'est vraiment ça. Ils ont fait un run over par les deux. Run over. 50 verges. Ça, c'est les Lions qui ont sleep. Mais je pense pas les Panthers. Les Panthers veulent pas gagner. Je pense qu'ils vont arriver. Puis je pense que les Buccaneers vont les battre. Ok. Tu t'avais dit Box? Moi, je prends les Panthers. Panthers, Box. Ravens versus Steelers. Ça, c'est une grosse division game. Ravens est déjà qualifié. Mais qui n'a aucune importance. Pour l'heure de. Mike Tomlin. Ouais, pour l'heure de le respect. Donc, on fait le playoff. Ouais. Son streak de. Over 600 et Steelers. Shit, c'est on the line. Il va encore faire les playoffs lui aussi. Ouais. On the line. Moi, je pense que, guys. Mike Tomlin, best coach. In the... Exactement. So, puis les Ravens vont laquer un peu, comme t'as dit. Yo, au moins, ils vont laquer. Les Ravens vont laquer.
Struggle contre une équipe des Falcons. Si Steelers va donner tout ce qu'ils ont à donner, la pression va être all around le. Entre les va faire des erreurs, va lancer des picks. Je vous dis, guys, this game, Steelers. Steelers aussi. Ouais, je pense que les Ravens sont déjà qualifiés, ils sont comme bon. Just get by in the, dans les playoffs. Je dirais avec Steelers aussi. Ok, passe-moi, bad. Ok, Dolphins versus Patriots. On en a parlé tantôt. Patriots, sans toi, Belichick. Belichick devrait être capable. Là, c'est sa deuxième fois qu'il joue contre eux. Devait trouver une façon de genre les limiter. Ok. Je sais pas. Si c'est pas toi qui joue. Ouais, puis je pense qu'il doit être encore fâché de comment ils ont perdu contre Vegas la semaine passée. Comme, les joueurs peuvent rien dire contre lui. Là. Maintenant, il a boudé à squeeze dans la pratique. C'est l'armée là, en ce moment. Je veux vraiment savoir combien de laps ils ont couru après cette erreur-là, mon gars. De vrai, c'est l'armée qui se passe. C'est sûr. Je pense, après cette affaire-là, je pense que les gars sont tous focus. Ils ne peuvent pas dire à ça que Belichick leur donne la permission. Donc, je veux dire qu'ils vont venir jouer une bonne game contre Nate, en fait. Moi, je dis Dolphins parce que même si que je sais que toi vas pas jouer, les gars vont pas accepter de perdre leur une chance de faire des playoffs. Surtout Tyreek Hill qui a fait des blasphèmes au off-season qui a dit que toi t'es meilleur que Patrick Mahomes. So avec toute cette blasphémie, il doit back up the talk. So je pense qu'il va gagner. C'est drôle parce que c'est comme Mahomes a des bonnes chances de gagner MVP. Pas vu son MVP play, mon gars, quand il est touch up island. Ouais, j'ai vu, mais moi, c'est toujours Jalen Hurts, l'MVP, in my heart. Yeah, in your heart, because you're a Bird Gang fan. Exactement. Les Pats aussi, c'est pas mal unanime de notre part ici. Les Pats, moi, j'ai dit Dolphins. Ça, t'as dit Dolphins? J'ai dit Dolphins, moi. Avec Teddy Bridge? J'ai dit, Tyreek Hill va jouer sa game. Tu sais, Teddy Bridge, à part s'il joue l'autre, je sais même pas c'est quoi son nom, le troisième QB. C'est même pas relevant. Ça va être une game Tyreek Hill contre les Patriots. Ça va être la game. Si il double team Tyreek Hill, c'est Waddle. C'est rare qu'un wide receiver bat Bill Belichick. Il va avoir des reverse. Il va avoir des quick slant. Il va avoir des drag. Il va avoir des deep ball. All right. Last game, Bill versus Bengals. Monday Night Football. Ça, c'est pour... C'est pour le top dog de l'AFC. Si on va dire les Bills perdent, je pense que ça serait... Les Bengals qui prennent leur spot. Bataille. Il y aura Chief Bengals, puis Bills avec Fish. Yeah. Peut-être même Chief pourrait déplacer. Le futur de la NFL. Them two goats. Exactement. On l'a collé au début de l'année. Les Bengals nous ont donné un petit scare. Ah, ouais. Mais ils ont come back. Justin Herbert fait les playoffs. Loki. Et Loki, lui, ça c'est le mini. In the shadows. In the back. Moi, je prends les Bills. Les Bills le veulent cette année. Les Bills ont besoin du bye. Ils ont besoin du home field advantage pour battre soit Joe Burr ou Pat Mahomes. All right. OK. Moi, je dis Bengals. Bengals sont on a streak right now. Ils jouent vraiment, vraiment bien. Ils font des comebacks. Hottest team in the NFL right now, les Bengals. Ouais, so Bengals. Je vois contre qui Bengals, moi, dernier. Ravens. Là, les Bengals, je crois que les Ravens. Je pense que les Bills gagnent cette game. Après ça, ça va être un full match entre les Bengals. La dernière, c'est pour le top de la division. Parce que les Ravens peuvent encore come back. Ouais. Je vais aller avec les Bills gagnent cette game. Yep. C'est où? Je vais le dire. Cincinnati. Oui. Un tough match-up. J'allais avec les. Et donc, j'allais avec les Bengals. Okay. Good choice. All right, guys, je pense que c'est tout pour la NFL. Avez-vous d'autres comments, subject to add? All right, on va aller à la NBA parce qu'on est finally back, tune in sérieusement à la NBA. On a recommencé tranquillement parce que le World Cup avait pris beaucoup de notre,
de notre sujet, de notre temps. Place, ouais. Donc Brooklyn Nets on the way up. Beaucoup de gens, dont moi, ne croyaient vraiment plus en les Brooklyn Nets pour tous les Kyrie Irving drama, pour Kelly qui fait tout seul, Ben Simmons qui était commotionné. Mais là, Ben Simmons, ça fait peut-être 10 games qui est back, qui joue beaucoup mieux, qui average pas des stats de fou, mais qui donne des points, qui fait du bon jeu défensif, off the ball. Right? Donc, do you believe que les Nets vont pouvoir monter all the way au niveau des Milwaukee and Boston Celtics? Ben, ils sont déjà on the same pace que les Celtics puis les Bucks. Puis entre toi et moi, les Nets ont deux plus grosses stars que les Bucks Celtics. C'est un hot take. KD, Giannis, Tatum. Same level. OK. Je peux te donner que Giannis puis KD ont peut-être un upper echelon sur Tatum, pas cette année. Mais whatever. Après ça, c'est qui? Kyrie, Middleton qui est blessé. Holiday. Puis OK, c'est comme ça. La façon que tu l'as dit, on dirait c'était KD puis Kyrie était avant. Genre. Qui est le meilleur Batman-Robin duo? Les Nets? C'est parce que Boston Brown, Tatum Brown, ils jouent des bonnes games. KD, Kyrie, s'il fallait que tu choisisses maintenant ton duo, Kyrie, KD, Brown, Tatum ou Giannis Middleton? C'est sûr, c'est pas Giannis Middleton. Non, c'est sûr. Bon, merci. Ciao. Mais je pense que je prendrais Tatum Brown. Tu comprends parce que. Non. Kyrie! Même si je déteste le snake, je prends still Kyrie. I don't know. Mr. Clutch. Puis KD le snake over Tatum Brown. Mais cette saison, le meilleur combo. À date, c'est Tatum Brown. Bon, je dirais Tatum Brown. Merci. Tatum Brown. Son plus constant. Comme number one guy. Là, c'est différent. Là, je sais. Giannis. Voilà, ça pourrait être Giannis. Okay. Number one guy, Giannis. All I'm saying. Les Nets sont on pace avec les Bucks puis les Celtics. Tu peux pas les dire que c'est 1-2-3, moi c'est 1-1-1. N'importe qui peut être premier. Il y a eu une game dernièrement, Boston contre Bucks, puis Boston a foutu une frappe là, au Bucks à 139 à 118. Là. Ouais, mais Middleton était blessé, il a pas joué. Mais moi je pense que Boston est... Blessé, non. Vas-y. Boston, je pense que Boston a comme, ils ont un petit gap au vu les autres équipes. Mais là, Robert Williams est revenu sur des joueurs qui étaient blessés, qui reviennent sur là. Ils sont rendus genre dans le même level que tout le monde. Puis les Nets, c'est une team qui strugglait. Puis là, finalement, ils commencent à avoir une continuité. Puis ils sont rendus genre dans le top 4 dans la ligue. Là. Ouais. Moi, je pense que ce qui différencie Boston, Nets, Boston puis Milwaukee, Nets, c'est que là, le chemistry est easy. Là, les gars jouent vraiment en équipe. Ouais. Là, le ballon roule correctement, ça flow. Ils savent leur assignment. Il n'y a pas besoin de faire comme Todd, par exemple. Mais non. Le game contre Giannis, je pense qu'il a fait 12, 14 points, 8 rebonds, 7 à 6. Off the ball, il était là. Tu fais ça, là, c'était obligé de gagner. Genre, comme oh, voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà. So, anyway, c'est pour ça dire que Brooklyn Nets, chemistry is back. Milwaukee, il manquait. Il manque juste, il faut que le trio soit là pour qu'il compete. Il faut que ton... Big three mon big three soit là pour qu'ils compete. Puis Boston sont juste bouffés. Pour moi, cette saison aussi. Cette saison, pour moi, ils sont pas... Ils sont pas hors date? Overrated cette année. Ils ont besoin de quelque chose. Là. Ils sont sur la pente descendante. Ils ont eu leur ring, puis là, ils descendent. Ouais, c'est normal pour plusieurs équipes qui gagnent un chip. Mais ils ont pas de jeunes rookies ou jeunes joueurs pour comme venir genre, donner un juice à la team. C'est juste Giannis. Giannis peut faire 30 points, 3 blocs, 14 rebonds, puis tu vois les gars, c'est style parti. Eh oui. James Harden, faut que tu expliques celle-là. James Harden. J'ai vu que c'est. Les rumeurs. Ouais. Oh, okay. Il veut retourner à Houston. Il a dit que c'est pas vrai. Impossible. Il a dit pourquoi je voudrais pas retourner à Houston, puis comme je suis dans un 8-game winning streak. Exactement. Les Philly 76ers. En même temps, tu sais qu'il va être free agent. Je ne peux pas trouver ces gars-là. Il avait dit qu'il voulait rester avec les Nets, il a demandé un trade juste après. tu connais ces gars-là, comme ils disent quelque chose. Faut pas les croire. La personne qui a leak l'affaire, il y a des bonnes choses qu'il a déjà dit ce parole-là. Oh, je serais prêt à jouer à Houston.
Comme ça, ça se fait que ce soit vrai. Est-ce qu'il l'a dit live? Non, peut-être pas. Mais il fut agent cette saison. Mm-hmm. Il avait pris, un pay cut l'année passée pour rester. OK. Là, si il veut ce max deal, peut-être qu'il est déjà en train de dire, OK, moi, je max deal la next year. So, si vous ne me donnez pas, je bouge. Je bouge à Houston, ouais. Juste des façons pour, comme... Pousser le montrer à la team que... Team. Faites attention. C'est ça, ouais. So, quand il dit c'est des rumeurs, comme oui, c'est des rumeurs, mais je pense que... C'est... Je serais pas étonné qu'il bouge vraiment, là, comme... Je comprends. OK. Suns. Yo, Suns, ça va pas bien. Suns, ça va pas bien. Trash. Comme, juste vous dire qu'il y a une game, j'ai écouté une game de Suns contre Boston. Au halftime, c'était 80 à comme 43. Yo, c'était désastreux. Ça pour que Atlanta, mais... Oh, c'est a fait dur. A fait dur. Là, comme son pire qu'ici, il pourrait être dans la G League, bro. Waouh! Yo, que qui était méchant. Non, comment je suis méchant? Yo! Vrai, chaque Booker était comme ça, All-Star, comme il veut faire un case pour MVP. Mm-hmm. Mais je pensais pas que comme t'enlevais Booker de la team, puis les gars étaient vraiment incompétents. Mais yo, ils ont, même quand ils avaient Chris Paul, là, si Chris Paul, il est plus rendu au point, il peut lire la team. Non, non. Il peut faire juste des passes. Exact. Ethan sert à rien. Ethan sert absolument à rien. Il dit qu'il veut être, le deuxième go-to. Il veut être le go-to guy. Il pense qu'il y a un des top centers de ligue. Il a la chance de l'avoir. Puis il on se donne la chance de comme. De me prouver. Puis tout pour rien, genre. Comme beat trash. Ouais. Puis après ça, les roleplayers. C'est des roleplayers. Voilà pour step up. So, Booker faisait vraiment tout. Oh, oui, celui qui contrôlait le terrain. Oui, c'est Chris Paul qui contrôlait le terrain, mais Booker donnait une prestance. Ça faisait l'autre équipe s'adapter. Non, mais tu regardes, les Suns sans Chris Paul gagnaient quand même. Ouais. Les Suns sans Booker, ça faisait work. Regarde, prendre des bâtons par 25 points, là. Yeah. C'est fou, dude. C'est fou. Ça passe pas très bien pour les Suns. Et puis ma question même, c'est, est-ce que ils vont avec, sans Booker, est-ce qu'ils vont descendre en dessous, comme des... en bas de la, des playoffs, dans là. Play-in. Dans play-in, exactement. Est-ce qu'ils vont descendre jusqu'au play-in? Je sais pas combien de temps Booker va être out. Pas si longtemps, mais je pense pas qu'ils vont descendre à ce point-là. Yo, les gars sont tight, hein? Les gars sont vraiment sont tight, là. Non, faut pas oublier que c'est la ligue qui est le plus tight. Comme, ouais. J'ai jamais vu autant de parité que ça parce que présentement, les Lakers sont out de 3 games d'un playoff berth. Non, mais ça, regarde. C'est une longue saison. Ouais. Après. On dit en février, tu vas voir, ça va se séparer. Oh ouais. Mais pour moi, si je suis les Suns, pour de vrai, je commence à calculer, je suis comme, cette team-là, il manque quelque chose. Je break up la team, genre comme, Ethan, c'est pas mon center, fucking shit, t'as rien. Chris Paul, he's too old. Ouais, comme, va, je veux te voir dans le contender, faut... J'ai besoin d'un nouveau guard. You can't do it no more, comme si... Oui, tu t'amènes quelque chose, mais genre, comment c'est qu'on peut plus gagner, là? Ouais, t'as besoin d'un guard, puis t'as besoin d'un center. Clairement. T'as définitivement besoin d'un center. Yeah. Ethan, lui, est trash. Non, il est vraiment trash. Puis moi, j'ai toujours trouvé trash. Il y a beaucoup de gens qui m'argumentaient, puis qui me disaient que non, Ethan est bon. Non, c'était l'effet Booker. That's it. C'est l'effet Chris Paul. C'est quoi? Chris Paul lui donne la boule. Exactement. Comme, ça, Chris Paul, il sert à rien. Ça absolument à rien. C'est pour son post-game est trash. Anyway. Quel Christmas game était le plus intéressant au basket? Sincèrement, j'ai bien aimé, même si ils ont perdu, là, j'ai bien aimé la game Lakers contre Mavericks. Of course, thank you. J'ai bien aimé Lakers contre Mavericks. J'ai trouvé que LeBron, comme si LeBron joue du vraiment beau basket. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune personne à côté de lui qui peut l'aider. On t'a dit? Il y a une stratégie. Puis pour elle, le coach, là, le coach des Lakers, je vais faut le renvoyer. Le nouveau. Faut le renvoyer. Déjà, yeah. T'as attendu une saison pour renvoyer l'autre, puis là, après 10 games, tu veux renvoyer celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Ok. Quand les Mavericks, ok. Tout le troisième quart, quatrième quart, ils n'arrêtaient pas de double team, Luka. Luka savait qu'elle allait se faire double team. Mais, ça, c'est un nouveau Luka qui joue. L'ancien Luka a essayé de faire un 3 points dans la phase des deux. Right? Mais le nouveau Luka, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il roule le ballon. Là, le gars monte, mettons, au small forward. Et puis, le small forward roule le ballon, soit au center, qui est en deux de paint. De paint tout seul, ou au three-point shooter dans le corner.
C'est arrivé, je vous dis, c'est arrivé 7 fois. 7 fois, le gars a rentré ses 3 points. OK? Dallas fait la même chose contre LeBron. Il double-team LeBron. LeBron roule le ballon. Il l'envoie au corner. Guess what? Les gars n'ont pas rentré une fucking shot. Ça, c'est pas la faute du coach, c'est la faute des joueurs qui sont souterrains. Ça, c'est vrai. À un moment donné, tes gars... T'as pas de chouleux. Merci. Mais ça fait un an et demi qu'on dit que t'as pas de chouleux. Ça, c'est general manager Rob Pelinka. Lui, il fait juste coacher les gens qu'on lui a donné. Damn. Il n'a rien choisi, là, lui. Là. Ton chouleux ne rentre pas ses shots. Ça fait 2 ans qu'on te dit que t'as pas de chouleux. Arrête. De shot? Arrête de shot. Va dans le paint. Drive dans le paint. Arrête. Le gars open lane. Il peut drive là. Tu vois, s'il leur dit pas cette affaire-là. Les gars veulent un shot. Yo, c'est des grown ass men. C'est rendu live by the three. C'est des grown ass men. Tu veux leur dire ce qu'ils veulent. S'ils veulent pas le faire, ils vont pas le faire, bro. C'est tout là. Non, je peux pas accepter que tu prends 5 à 7 3 points dans le figure. Tu t'adaptes pas. Comme, clairement, tu ne trustes pas tes joueurs pour prendre Luka one-on-one. Clairement, c'est ça. Tu dis. Ouais, parce qu'ils sont pas capables. Et puis. Après, tu dis, yo, on va faire la même statistique d'Alas. On va lancer au corner 3. Le gars en passe, c'est 3. Yo, bro, comme, arrête là. T'as pas choulé. Tu veux pas foutre le coach dehors parce que c'est la composition de la team est bien trash. Ça fait longtemps qu'on te le dit. C'est pas sa faute là. Mais moi, c'était la game que j'ai bien aimé. C'était la première. C'était. Oh. Bah. Sixers-Knicks? Ah ouais. Je pensais pas que t'allais dire ça. Moi non plus. Les Knicks. Mais j'aime ça regarder les teams un peu plus obscurs, genre que personne ne regarde. Mm-hmm. Puis cette journée-là, les Knicks sont venus jouer. Je pensais que les Knicks allaient gagner. Randall a bien joué, man. Ouais, il a shooté 9-3 points. Nice. Brunson joue bien, il était bien. Je sais pas pourquoi Dallas a laissé partir. Mais après ça, finalement, après ça, James Harden et Embiid, c'était comme le duo unstoppable. Les deux ont fait 30 points, je pense. Ouais, 29 Harden, ouais, puis... C'était, à la fin, là, c'est quand les, 35, quand been les gars sont lock-in, c'était fini. Là. Oui, ouais. Quand on a fini de jouer, c'est fini. J'ai commencé à les bimer, là. J'étais comme, wow. C'était une bonne game. Sinon, j'ai pas trop regardé celle des Warriors. J'ai bet dessus, c'est pour ça que j'ai regardé, mais était pas nice. Memphis s'est fait smack sans Steph Curry, puis c'est drôle parce que Memphis parle tellement caca. Oh oui, c'est des jeunes qui parlent. Oh, puis Steph a même pas joué, hein. Ouais, Steph est blessé. Blessé. Avec sa famille. Non, il est blessé. Ok. c'est les vacances, c'est Happy Holidays. il était blessé avant ce game-là. Il a préparé ses vacances. Et ça manque pas les games de Noël. Ils aiment ça jouer à Noël. C'est okay. La seule journée qui. Y a pas de load management à Noël. Tout le monde joue. Ok, je vois pas. S'il n'est pas là, c'est parce qu'il n'y a pas moyen de jouer. Moi, c'était Boston Bucks. Blowout. C'était pas blowout. Il y avait une special de 12 points. Les deux ont eu le lead par 10. Voilà. Puis après, il y a juste une team qui a juste step up. Tatum a eu 41 points on Christmas Day. Ouais. C'est quelque chose que tu peux pas. Tu peux pas dire que c'était pas une folle game quand t'as le MVP qui drop 41. Ouais. Christmas Day. Puis moi, c'était pour le reste, c'était la seule que j'ai regardée. C'était Bucks, Celtics. J'ai regardé un petit peu Warriors, Memphis parce que j'ai parié dessus, mais un blowout all the way. À chaque fois, je pensais que Memphis revenait. Boom, 10 points. Voilà. En plus, comment ça s'appelle? Mais je pense que c'est la moitié. Vous avez vu la vidéo où Ja Morant, il se fait interviewer et il dit quel team que vous matchez avec. Là, il dit Celtics. Puis là, il dit, la fille dit, personne dans l'Ouest, c'est comme non. Comme non. Waouh, ok, toi. Je pense, rendu, c'était un peu avant les matchs de Noël. Je pense, rendu, puis. Il les a réveillés. Ouais, c'est ça. Il leur a donné un. Je pense que les Warriors ont fait genre. Oh, ah, yeah, tu nous as oubliés. Vous êtes, hey, shit, là. Puis Clay Thompson a dit, yo, vous êtes pas une dynastie, là, vous avez rien gagné, genre. C'est ça, mais c'est ça. Vous n'avez rien gagné, là. Comme vous n'êtes pas boosté comme ça. You ain't all that, non. Vous êtes juste flashy. Tout le monde aime votre game. Les gens aiment ça, vous regardez jouer, mais genre, vous n'avez rien gagné, vous n'avez rien prouvé encore. Oh, c'est ça. Je pense que c'est ça qui a fait que. En plus, les Warriors avaient fait smack par les Nets avant, par comme 40 points. Moi, j'étais fâché. Calé les gars. C'est ça qui est drôle au basket, genre.
Les gars, tu vois, ils ont des games, ils sont motivés. Mais c'est ça. Il y a d'autres games, ils sont pas sous-joués. Genre, comme c'est vraiment. Mais ça c'est l'effet kawaii. c'est l'effet kawaii. Les gars sont jamais là toute chaque game, là, chaque game. Jour. Là, ils vrai. Décident quand ils vont jouer. Ils décident. Je trouve que par contre, Jamorant, lui, à chaque game, il est sous ça. C'est sûr que je dis que ce gars-là, il est comme si. Il est toujours sur donner un show. Là, il était pas sous ça parce qu'il a perdu par. Il a pris une cale. Mais il a fait 35 points. Ouais, mais il était pas sous ça quand même. Tu peux pas 35 points, t'as pas. Faut que tu réveilles toute la team. Ah, ok, là, je comprends. Sous ça, toute la team est sous ça. Je comprends. Ok, mais là, c'est. Les deux. Là, t'étais sous ça tout seul. T'as juste pas tes stats pour faire. T'as juste pas tes stats. C'est ça que t'as dit. Ouais, c'est qu'il a fait. Mais je trouve qu'il fait souvent ça. Il fait souvent comme des flamboyants, il est toujours là, mais il fait toujours beaucoup de stats. Mais c'est vrai que, avec cette logique-là que tu me dis là. Mais c'est le nouveau basket. Le basket pour moi, comme. Je trouve qu'il a changé. C'est pas le whole basket in the, back in the day où les gars venaient puis ils donnaient leur 100%, leur corps et âme sur le terrain. Les gars venaient se battre. Oui. Les gars venaient se battre sur le terrain. Là, c'est rendu une histoire de comme, je passe mes stats puis quand tu me dis suspect, mais c'est ça, quand tu me dis suspect, je fous une cale. Avant, je pense avant la game de Noël, je pense qu'ils devaient aller dans souper avec Draymond Green et tout. Et c'est quand même fou parce que comme tu vas jouer contre le partner, je suis toujours en train de vous dire sur Twitter, et après ça, vous allez chill ensemble. Peut-être. La NBA, bro. La NBA is a fucked up league, my guy. Yeah. Il y a mis quelque chose dans ton drink, puis là, t'avais pas les dents sur ça, il a fait la vie. Après, il vous a smack. Anyway. All right, guys, as-tu d'autres choses à ajouter? Quick news. Vas-y. La petite star de Netherlands, Cody Gakpo, il a signé avec Liverpool pour 37 millions. C'est lui le World Cup Wonder? Le World Cup Wonder. Il y a un autre joueur qui a pas joué dans la Coupe du Monde qui. Il parle de Mudryk. Faut que je cherche un petit peu mes recherches sur lui, là. Mm-hmm. Mais Arsenal voudrait payer 85 millions pour lui. Puis j'ai vu Liverpool voulait le Enzo Fernandez. Enzo Fernandez pour 120 millions. Ah, c'est World Cup Wonder. Argentine. 120 millions, bro. Fernandez. C'est celui qui a choqué. C'est Martinez qui a choqué, hein. T'as pas l'envoi, ce gars-là. C'est Martinez qui a choqué, c'est vrai. Alright. Vas-y. Sur ça, Mbappé. Qu'est-ce qu'il y a, Mbappé? Y a pas des rumeurs que Real Madrid le regarde encore? Je rentre pas dans ce rumeur-là. Ok, c'est bon. Ah ouais, tu peux close out. J'espère que tout le monde a eu un beau Noël. Mm-hmm. Puis on va se revoir après le nouvel an. Jour de l'an. Ouais, bonne année. Bonne année. So, ça va être tout pour nous autres cette semaine. Yeah. Don't forget to like, share and subscribe. Puis on se voit bientôt. Yeah.